Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. La fois dernière, nous avons vu comment moduler d'un ton une chanson. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît juste au-dessus à droite de la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment moduler d'un demi-ton. C'est-à-dire, nous allons commencer une chanson dans la tonalité de do majeur pour ensuite le moduler, changer, aller dans la tonalité de do dièse. Pour arriver à moduler d'un demi-ton, il nous faudra deux accords de passage. Lequel? Nous sommes dans la tonalité de do majeur. Voilà. Notre premier accord de passage sera un do 7 qui se trouve dans la tonalité de do majeur. Comment trouver le do 7? Il suffit de faire le do fondamental, la triade de do, et de rajouter un septième. Donc, faire 6 plus 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus un demi-ton. Donc, triade. Voilà notre do 7. Sauf que notre touche 7, ici, nous allons l'inverser. C'est-à-dire, nous allons jouer avec la main gauche. Ou bien faire ceci. Voilà. Vous voyez ce qui est inscrit? Do 7, basse de si bémol. Notre do 7, sauf la basse, touche le si bémol. Voilà notre premier accord de passage qui est vraiment très simple. Très très simple. Il suffit juste de jouer un septième et d'inverser sa basse. Admettons que nous étions dans la tonalité de ré majeur. C'est simple. Donc, vous faites trouver le septième. Donc, 7 ici et la basse, vous changez la basse, donc voilà, tout simplement. Bon, nous avons trouvé notre premier accord de passage. Nous allons maintenant trouver le deuxième. Alors, pour le deuxième, vous devez faire un accord septième suspendu 4. Nous allons créer une dissonance à partir de la quarte et de la quinte de la tonalité que vous voulez changer. Je m'explique. Ici, nous allons aller de do à do dièse. Donc, je vais faire, comme nous allons en do à do dièse, je vais faire un 7 sus 4 à mon cinquième degré. Donc, cinquième degré de do dièse. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Donc, j'allais faire un septième. Donc, un septième sus 4 du cinquième degré de la tonalité de do dièse. Ensuite, nous allons aller en do dièse. Donc, je vous dis. La quarte et la quinte. Cinquième. La bémol 7 sus 4. Donc, de toute façon, le cinquième degré, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le la bémol. Alors, dans le la bémol, nous allons faire la bémol 7 sus 4. Donc, nous avons ceci. Ensuite. Ces deux accords pour changer ensuite aller en do dièse. Alors, quelle chanson je peux me servir qui peut me servir d'exemple dans ce cas-ci? Je vais prenons d'abord Mon Dieu est puissant, Mon Dieu est puissant. Je vais le jouer en do majeur, hein. Alors, je vais le jouer tout doucement, hein. Vous comprenez? Ici. Ici, en fait, c'est ici que nous allons changer, en fait, utiliser notre deux accords de passage pour aller en do dièse. Je reprends.
Dieu puissant. Ici, je vous remontre encore, tout doucement. Ici. Oui. Et puis après. Et là, je retombe sur fondamental de Do dièse. Je vous remontre une dernière fois. Voilà les amis, ce n'est pas compliqué de changer de tonalité d'un demi-ton. Si vous éprouvez malgré tout des difficultés à le réaliser, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. D'ailleurs, je profite pour vous inviter à laisser des commentaires, à liker et surtout à partager la vidéo les amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure que vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos sur Piano Quick.